dérange? Non, je n'attendais pas. J'ai dit, il faut que nous parlions tous les deux. Oui. Au sujet de Philippe. Oui. Vous comptez vous venger? Absolument pas. Tout ce que je veux, c'est le garder pour moi, mais je crains que ce n'est qu'une simple illusion. Et pour une illusion, vous avez fait exécuter deux fois. Ça, c'est vous qui le dites. J'en suis sûr. Oh, ça va, je vous expliquais. Tiens, alors parlons. Oh. Tu ne seras personne d'autre que moi. Yann Bertrand te donnera son numéro de téléphone. Oui, mais de toute façon, elle ne voudra pas assez longtemps car elle est recherchée par les copains de Brienne. Par la quelle enjeuse, ça tout. Détrompe-toi. Philippe et moi, nous la protégeons. Mais s'il lui arrive quelque chose, tu seras tenu pour responsable. Voilà, alors voilà. J'ai un marché à te proposer. Tous les deux, nous allons faire semblant d'être tombés amoureux. Mais on sent que le choix de ta maîtresse. C'est ça que je te balance aux flics. J'ai garde le choix, quoi. Mon cher Brive, tu vas me rendre le plus grand service de ta vie. Allons, monsieur Brive, je vous appelle car tout comme moi, vous avez dans vos relations un homme du nom de Philippe Roland. C'est cela, et vous ne l'aimez pas, n'est-ce pas? Bien, j'ai un marché à vous proposer. Je veux finir par moi seule. Pourquoi? Parce qu'autrefois, je l'ai beaucoup aimé, il m'avait promis de m'emmener vivre avec lui. Et au lieu de ça, il est marié et a une maîtresse. En la personne de la nièce de son patron. Comment je le sais, c'est mon affaire, monsieur Brive. Tout comme je sais que Philippe Roland a bien failli vous faire la peau le jour où vous avez essayé de violer sa nièce, sa fiancée et maîtresse Martine. Oh, non, monsieur Brive, vous ne savez pas qui je suis. J'ai une surcharge de grande. Je vous propose 2 millions pour 2 opérations, plus 1 millier d'avions pour l'étranger. Le but, Martine Rodier et Patricia Roland. Oui. Je l'ai comme mort, je veux que Philippe soit mort à moi seul. Je l'ai comme mort, oui, c'est parfaitement bon. Alors réfléchissez à ma proposition et je vous rappelle ce soir. Réfléchissez bien, monsieur. D'accord, c'est ça, entendu. À ce soir, monsieur. Thank you.
pas t'avoir fait attendre, j'allais justement prendre ma douche. Veux-tu que je t'aide? Alors Michel, tu sais très bien que je ne suis pas libre. Oui, c'est toujours le même refrain. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est trop tard. Qu'y a-t-il? T'ai-je déplu? Ai-je été incorrect une seule fois? Dis-le-moi. Je vais me changer. Sers-toi un verre en attendant. C'est fait. J'ai fait comme chez moi. Très bien. Philippe, mon ami, tiens-toi sur tes gardes. Je te parle au commissaire. Merci. Tu veux te servir quelque chose à boire? Oui, ça me fait tout drôle de t'entendre dire ça en étant chez moi. Après tout, lui et moi sommes amis. Il n'y a pas de mal. La preuve, c'est qu'il ne t'a rien dit de spécial sur moi lorsque tu lui as parlé de ma présence. Non. Bah, tu vois. Nous ne sommes pas mariés, mais je tiens à ce que tu saches que je t'aime très fort. Chérie, oublie les événements d'hier. Je suis toujours là, mais c'est ce qui compte. J'ai honte. Que va penser mon oncle? Et toi? J'ai agi comme une idiote envers toi. Je me suis fait piéger par ce lâche. Pourtant, je le croyais sincère. Il était venu pour te voir. On a un peu bu. J'ai refusé, mais il m'a assuré qu'à ton retour, tu aurais fait pareil. Je me suis laissée faire. Petit à petit, je me suis sentie envahie d'une sensation bizarre et folle. Je ne savais plus qui j'étais, ni où je me trouvais. Jusqu'au moment où j'ai vu, dans une sorte de brume, le visage de Brive penché sur moi qui m'embrassait. Martine, c'est inutile de te formaliser. J'avais vu tout de suite que tu n'étais pas dans ton état normal. Et comprends-moi, la rage m'avait tellement rendu fou que j'en étais aveugle. À parole, si ton oncle ne m'avait pas arrêté, je crois que je le tuais. Le fait qu'il t'ait touché, qu'il t'ait fait du mal, ça m'aurait rendu fou. Le pauvre fils. Je t'ai fait passer de mauvais moments. Je sais que jamais je ne pourrai être capable de te faire du mal. Tu as voulu me frapper pourtant. Oui, et j'y ai repensé. Lorsque nous nous sommes couchés, je m'en suis voulu. Comme tu étais toujours traité avec attention, avec douceur. En quelque sorte, mes sentiments n'ont pas changé pour toi. La preuve, je te fais une nouvelle déclaration d'amour. J'en suis très fière. À présent, tu vas te reposer bien gentil. Je vais t'apporter ton petit déjeuner. Tu vas me donner le thé comme une enfant? Bien sûr, tu l'as bien mérité. Tu es un ange. Servi à domicile. Merci.
deux heures. Et j'aurai tout mon après-midi à te consacrer. Tant mieux. Reviens vite. Promis. Ça sert à rien. Va-t'en. Va-t'en chez moi. Va-t'en. Va-t'en chez moi. Va-t'en. Attention à toi. Va-t'en. Tu te calmes. Va-t'en de chez moi, t'as compris. Va-t'en. Va-t'en, Jenny. Très beau. Va-t'en, va-t'en. Je me débarrasserai de lui. En somme, mon cher Paul, en devenant ta fille maîtresse, tu me facilites les choses. Tu vas bien me servir, Paul, tu sais.